Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Et de Voyage Gendron, vacances plein la vie. Alors, bienvenue à l'émission et au sommet de Kicking Horse. C'est le troisième plus grand domaine skiable en importance au Canada. La station est située à la rencontre de trois chaînes de montagne, les Selkirks, les Purcells et nos magnifiques Rocheuses. On était ici, nous, à la fin de la saison et le domaine skiable est en complète opération. Imaginez, en plein hiver, il y a de la neige ici. On est ici pour vous faire découvrir ce domaine skiable encore peu connu. On a des invités spéciaux et ce voyage est organisé grâce à la collaboration de Voyage Gendron. Restez là, il y a beaucoup de ski et beaucoup d'actions à venir. Kicking Horse Mountain Resort bénéficie d'une neige souvent qualifiée de champagne powder, dont la qualité est exceptionnelle, scintillante, légère et sèche. Il y a quoi? 20 quelques pistes qui sont damées pour ceux qui veulent rester sur les pistes, travailler mécaniquement. Mais ce qui est impressionnant, c'est le domaine hors-piste. Je pense que 80 quelques chutes noires et doubles noires qu'on peut découvrir. Je pense qu'une semaine se passe. C'est notre première journée de ski. On se retrouve tous à la base de Kicking Horse, au pied de la gondole Golden Eagle. Puis là, Paul, enfin, j'ai un géo qui va s'occuper de tout. Exactement. Bon, on est un groupe de 15. On va aller découvrir la montagne, surtout avec Chucky, qui travaille ici à plein temps, guide hors-piste. Qui a tout à fait le style de Kicking Horse. Exactement. Hein? Ça traînait quelqu'un qui a le profil de l'emploi. Enchanté. Tu nous fais un petit briefing ou... OK, tout le monde... Ce matin, on a des guides de Kicking Horse. On a Steve, on a Jessica, on a Chucky. Bon, ben, bonne journée tout le monde. Yeah. Tu sais, la première chose que je remarque, c'est qu'ils ont des trous larges pour les skis. On est sur une grosse montagne avec une gondole qui fait du sommet jusqu'à la base pour des grosses descentes. Oui, c'est vraiment des grosses descentes. C'est un peu plus que 4000 pieds, en haut jusqu'en bas. Quand t'as fait 5, 6, 7 descentes dans ta journée, c'est une grosse journée, non? Ouais, c'était vraiment. Ça fait 25, 30 000 pieds de dénivelé. Ça devrait être bon. Soleil! Ah! La visibilité, ça bon, change hein? Tout. Pas beau, ça, les amis? Toi, qu'est-ce que c'est pour toi, Kicking Horse? Pour moi, Kicking Horse, c'est vraiment trois crêtes de ridge. Là. Puis ça sépare du latérin. Maintenant, on est sur Redemption Ridge. À côté à droite, là, ça descend dans Fools. Tu regardes ici, à Crystal Bowl. Ça, c'est le secteur principal. Là, ici. Ouais. Pour enseigner, pour découvrir leur piste, ouais, c'est ça. Okay. Pour découvrir plus leur piste, c'est si tu veux aller. Okay. Puis à part que ça, c'est Bull Over. Puis on a le ridge à sud d'ici aussi. C'est okay. Terminator. Ça fait combien d'années qu'il y a une remontée ici? Parce que moi, quand je suis venu, il fallait monter à pied pour avoir accès ici. Oui, c'est vrai. On a eu, c'est 2004, je pense, qu'on a eu cette chaise ici. OK. Donc, ça a donné un accès. Ouais, c'est vraiment cool. OK. Qu'est-ce que c'est ici, là? Ou qu'est-ce que tu veux nous faire skier sur ce côté-là? Ici, on va prendre des arbres, certainement pour réchauffer avec la neige. Tu penses qu'on s'en va au paradis? Ouais, je pense qu'on va monter au paradis ici.
Là, sur notre escalier. Le quoi? Grand luxe, l'escalier, tout aménagé, tout nettoyé. Oh, c'est difficile d'être ici avec le backcountry, hein? You know, a famous band. Il y avait un groupe très connu qui chantait une chanson comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah! Oh. And she's buying the stairway to heaven. La guerre entre les planchistes et les skieurs est finie. C'est une grosse montagne pour tous. OK. Ben là, on est rendu à White Wolf. Ça, ça a l'air super bon, là. La neige est tracée, mais elle a l'air assez sèche. Ouais, c'était une bonne ligne, celui-là. Il y a le long ici, peut-être sur le côté qu'il y a de l'ombre. Oui, je pense que oui. C'est juste à côté du Jenga, où okay. On a beaucoup de roches. Puis après deux ça... deux grosses, là, là. Ouais, à l'intérieur de l'écouloir, ça va être plein de neige. Fait que ça, c'est un peu le back bowl principal de Stairway to Heaven, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est White Wall. White Wall, tout ça. Tout ça. Ça, c'est la limite un petit peu là, de la station qui est protégée. Tout ça, c'est contrôlé, protégé pour les avalanches. Ouais. Ouais, puis je travaille fort pour protéger ça. La moitié de fait. OK. Paul, ça marche? On continue, on se reposera dans la gondole. Aïe! On va sentir dans les jambes maintenant. Le restaurant est perché au sommet de la montagne de Kicking Horse à 7700 pieds d'altitude. Ce qui fait que c'est probablement le restaurant le plus haut en altitude au Canada. La fin de semaine, on offre des thématiques, des soupers gastronomiques ici. Il faut prendre évidemment la télécabine et profiter de cet endroit absolument unique. Et puis le lunch, c'est pas trop mal non plus. Chucky, pourquoi ça s'appelle Terminator? Wow, c'est une bonne place d'aller. On a vu ça dans la gondole, hein? Il y avait la petite chute de exactement ce côté-là. Ça. Il y en a trois chutes. Il y en a Truth, Dare, puis Consequence. Puis maintenant, Consequence, il n'y a pas beaucoup de traces. Donc, je pense qu'on peut en mettre un peu. Truth, Dare, I go for Consequence. Yes! On s'en va, en fait, monter à pied sur le long de la crête qui est là pour accéder à ce secteur-là, qui est Terminator 1 et Terminator 2, complètement l'autre côté. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Je pense que Chucky a raison. Un petit peu d'exercice que ça nous prend pour faire digérer ça. Quoi pas? On y va? On y va. Je te suis. On est prêt? Oui. Fait que ça, c'est ce que vous appelez Terminator 1. Ouais, nous sommes à Terminator 1 maintenant. Puis l'autre partie de notre groupe sont à Terminator 2.
nous autres, qu'est-ce que tu proposes? Qu'on fasse peut-être la traversée par là-bas? Ouais, je veux aller juste au loin, puis on va commencer à Consequence, je pense. Qui nous fait basculer de l'autre côté, dans le fond. Oui, c'est l'autre côté, c'est moins de soleil par là, c'est un peu plus au nord. On va avoir plus de poudre. Et finalement, on s'en va direct au bout, à la conséquence. Ça pique quand même! Paul, je regarde autour de moi, puis on me dit toujours que je suis le plus chanceux, mais peut-être que c'est toi qui es le plus chanceux d'être toujours en montagne. Ouais, tout le monde pense ça, parce que oui, je voyage beaucoup à travers le monde. Ici, on est au sommet de Kicking Horse. Écoute, c'est une de mes destinations préférées dans l'Ouest canadien. Pour le défi, pour... La montagne est particulière, Kicking Horse. Oui, exactement. C'est sûr que c'est une montagne qui offre plus de challenges peut-être que d'autres. Certaines d'autres destinations sont plus familiales. Quelle est la formule pour les gens qui voyagent avec vous? Est-ce qu'ils sont encadrés? Est-ce qu'ils sont complètement libres? Ben, on a deux... Disons, il y a deux sortes de voyageurs. Le voyageur en individuel. Tu pars avec ta famille, avec ta femme. On leur donne ça clé en main. Ça veut dire qu'ils ont des bons échanges pour tout. On organise vraiment tout de A à Z. Où il y a les groupes aussi, qui est une formule très populaire parce que l'effet de groupe, c'est spécial aussi. Parce que l'organisateur ou l'accompagnateur s'occupe de tout. Des transferts, s'il y a un petit problème, il organise des tours d'orientation de la montagne, des soupers de groupe. Puis l'effet de groupe, tu sais, de souper 20 ensemble puis se raconter sa journée. Oui, ouais, ça, c'est clair. On l'a fait, nous autres. Ça, c'est pas battable. Le Corks est situé au pied des pistes de Kicking Horse dans le Copper House Lodge et présente une cuisine de type bistrot dans une ambiance chaleureuse. Kicking Horse est clairement en train de se développer. Il y a tout ce qu'il faut pour l'après-ski au pied des pentes. Ici, on est en train de développer un petit village. Il y a toutes sortes d'hébergements comme les boutiques Lodge. Et pour manger, il y a de très bonnes options. Par exemple, le petit pub Local Hero. Nous, ce soir, on a choisi le Cork Restaurant. Mais là, on se couchera pas trop tard. Je pense qu'on a une grosse journée demain sur une grosse montagne. Hey, on s'en va se coucher, là, les gars! Kicking Horse offre de l'hébergement directement au pied des pistes. Le Glacier Mountain Lodge propose des suites condo parfaites pour les skieurs qui veulent avoir toutes les commodités, car on y retrouve une cuisine toute équipée et un salon avec foyer. Le Vagabond Lodge offre au pied des pistes un hébergement de type hôtel boutique. Luxueux, convivial et offrant des chambres avec salle de bain privée, ce lodge se démarque. On y retrouve un beau lounge avec foyer, table de billard et un accueil des plus chaleureux. La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Première chronique de la saison avec notre partenaire Ski Town. Dave Lauzon est avec moi. Vous savez, la préparation et l'entretien des skis, très important. Et il y a beaucoup de caractéristiques à connaître, que ce soit les conditions dans lesquelles on skie. On peut être dans l'Ouest canadien ou dans les belles stations du Québec. Quels sont les paramètres que les gens doivent savoir, Dave? Bien, pour commencer, il y a beaucoup de gens qui négligent les mises au point. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, j'en fais 10, 15 fois par année, un tune-up par année, puis that's it. Mais non, c'est important quand même, dépendamment des conditions de neige. Comme tu disais, dans l'Ouest canadien, c'est sûr, il y a plus de neige. On peut le faire un petit peu moins souvent. Ici, au Québec, c'est glacé, c'est damé. Donc, souvent, les corps s'usent plus rapidement, ça déséguise. Donc, c'est important pour avoir une bonne mise à corps, vraiment, puis avoir confiance sur ses skis, carrément d'avoir une bonne mise au point. Maintenant, il y a beaucoup de technologies associées à l'entretien puis aux mises au point des skis. On a presque éliminé le travail manuel, mais vous avez une machine très sophistiquée ici chez Ski Town. On a la machine Montana. Vraiment, c'est cette machine-là, c'est, y a beaucoup moins de risque d'erreur. On pèse sur le piton, puis ça se fait pratiquement tout seul. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'on peut vraiment spécialiser la mise au point pour le client. Exemple, une personne plus âgée qui veut un ski facile à amorcer dans le virage, on va mettre un tune-up, une mise au point, un petit peu moins aiguisé, avec moins d'angle en avant. Donc, plus facile de virage, le coureur qui fait du slalom, du GS. Donc, il va avoir une mise au point différente pour
chaque coureur. Peut-être des quarts beaucoup plus agressifs. Plus agressif. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est adapté au type de skieur ou de skieuse. Maintenant, il y a l'effet régularité. Avec une machine, c'est toujours la même qualité d'entretien. Puis la dernière étape de la mise au point, qu'est-ce que c'est? En fait, on s'est équipé aussi d'une cireuse. Il faut seulement appliquer un peu de cire sur le ski. Puis c'est la machine infrarouge qui passe en chaleur, vraiment qui permet d'hydrater la base. Ça, c'est une cire vraiment pour hydrater. Après ça, si tu fais de la course, ces choses-là, tu peux mettre une cire de glisse pour prendre un petit peu plus de vitesse. Qu'est-ce que tu suggères? Les gens devraient venir à peu près combien de fois ou à toutes les occasions? Ça, c'est personnel. Ouais. Le coureur, il va le faire presque à toutes les fois, toutes les deux fois. Un skieur qui va en faire 7, 8, 10 fois par année, pour pogner des conditions normales, va le faire peut-être une fois par année. Mais ça dépend vraiment du type de ski qu'on veut. Si on fait du snowpark, si on fait du twin tip, c'est sûr qu'on va le faire un petit peu moins souvent parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose qui coupe. Donc, c'est presque une bonne nouvelle pour une fois que la machine a remplacé l'homme. Ouais, une des bonnes nouvelles, une des seules fois. Merci, Dave. La façon dont la montagne est aménagée, il y a trois crêtes ou des ridges principaux. Celui-ci, c'est le CPR Ridge, justement en dessous de la télécabine principale. De l'autre côté, c'est Redemption avec Stairway to Heaven. Et derrière moi, on a Terminator. Et tout dernièrement, on a ouvert derrière qui s'appelle Super Bowl pour donner accès à T2. Bon, jour 2, on s'est trouvé un gros skieur à Kicking Horse. Steve Fiske, c'est mon ami pour la journée. Steve, tu parles un peu français? Un petit peu en français. Bienvenue à Kicking Horse, mon petit paradis. Ton petit paradis. Ma, why did you choose to move to Kicking Horse, being from the Kitchener? I think it more chose me. Once you get a taste of this snow and our chutes, you're never going back. En tout cas, avec une météo comme ça, là, on est vraiment chanceux. On vient de marcher 5 minutes, on va marcher une autre 15. Paradis. Ready, partner? You got it, buddy. Wow! Steve, right, wow! Merci beaucoup, mon ami, c'était extraordinaire. De rien, Simon. Thank you so much for coming to my mountain. Now, are you going to be back? I will be back. That's what I want to hear. Hey, say goodbye to Chucky for me. Absolutely, my friend. Have a great season, thank you guys. Thank you, you too. C'est l'heure d'une petite bière quand même avant de continuer, hein? All right, take it easy. Ciao. Wow! C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous invite à venir découvrir l'intérieur de la Colombie-Britannique, Kicking Horse. Wow! Merci à toute l'équipe de Voyage Gendron. Ici Simon Saint-Arnaud. On se revoit la semaine prochaine! Woo!
Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Et par Voyage Gendron, vacances plein la vie. T'es vraiment con parce que ça s'en va dans les bloopers direct, là. Viens, c'est pas si je vais donner de la refaire. Hey, c'est... Kicking Horse est clairement en train de se développer au pied des... Michel, c'est toi qui as bumpé! T'as bumpé en arrière! Wow! Du gros terrain de la... Wow! Des lunettes de soleil! Commandité par Smith!